J'ai trouvé un bon point d'observation. J'ai ma relique qui merde. Ça, c'est pas cool. Il nous suffit de grimper là-haut. Allez, c'est par ici. La chance est avec nous. On dirait qu'il n'y a personne aujourd'hui. Ok. Ce serait une belle vue sur la ville. Si seulement... Quoi? S'il y avait quelque chose à admirer. Tu détestes Night City à ce point? J'ai peut-être juste le mal du pays, comme vous dites. Bien. Regarde si tu trouves des points faibles. Pendant ce temps, je vais réfléchir à une diversion. Il ne faut pas que Rosaka découvre ce qu'on prépare. Un sabotage serait parfait pour détourner leur attention. Tu auras le meilleur angle sur la gauche. Je vais me poster là. Cette vieille lunette devrait nous être utile. Et si nous commencions? Tu pourrais aller nous chercher une pizza? Fast food? Non. Hors de question. Si j'avais le temps et les ingrédients, je préparerai des onigiri avec du cabillaud ou du saumon grillé. Non, encore mieux, avec des umeboshi. L'onka préféré d'Arasaka-sama. C'est simple, mais bon et nourrissant. Un jour, je l'ai surpris à manger, le visage plein de fierté. C'était une barre protéinée. Saburo Arasaka, une barre protéinée? Tu te fous de moi? Comme un vrai soldat. Bien, j'arrête, avant que nos estomacs se mettent à gronder. Ok, c'est parti. Je pourrais être prestre devenir corpo. Hein. Je dis bien presque. Peut-être que je me referai une partie en corpo. Le temps presse, V. Pour voir les dialogues. Scanner. Ok. Qu'est-ce que je dois scanner? Je vois le système de com. Il y a beaucoup de gardes. Parabole. Belle. Attends. Attaka. Ce système va me servir à faire diversion. Plaque. Des tuyaux, tu les vois? On pourrait s'en servir pour entrer. On dirait un tunnel de maintenance à côté de la route. Il mène peut-être aux entrepôts. Une antenne.
Le cœur de leur sécurité doit être dans ce bâtiment. Ouais, ça doit être une nouvelle maintenance. Porte, ouais. Eh, c'est quoi ça? C'est parfait pour un sabotage. Tu te débrouilles bien. Le transformateur près du mur, tu le vois? Il pourrait nous aider à grimper. Je crois que j'ai tout vu, là. On a ce qu'on est venu chercher. Alors, on s'y met? C'est ce que tu as dit avant d'entrer dans le Kumpiki Plaza? Je veux être sûr que nous n'avons absolument rien négligé. Il vaut mieux attendre et observer. S'il ne se passe rien d'inhabituel, alors oui, on s'y met. Bonne idée. Y a plus qu'à tuer le temps. Pas du geste brusque. Tu le vois, le chat. Quoi? C'est juste un chat. C'est le premier animal que je vois à Night Hostie. Si on exclut les cafards, bien sûr. Ça a d'abord été les oiseaux, puis les chiens. Les chats ont résisté plus longtemps. C'est peut-être un Bakeneko. Un Bakeneko? C'est quoi? C'est un chat esprit. Il apporte le malheur. Il peut ressusciter les morts. Tu crois aux fantômes? La relique te permet de parler aux morts, non? Alors cette question n'a plus de sens. Ma grand-mère connaissait un tas d'histoires sur les Kitsune, les Kappa et les Bakeneko. Et t'as grandi où, au fait? Je viens du bidonville de Chiba 11. Un jour, quand je ne pensais qu'à en partir, j'ai... Ces mauvais souvenirs se sont effacés avec le temps. Je ne regrette que l'insouciance de mon enfance. Mes souvenirs d'enfance. Voyons voir. Sauter entre les toits, échapper à la flicaille. Le goût métallique du sang dans ma bouche. Je me souviens de l'odeur chimique du canal. Je lavais mes chemises avec les autres garçons. Des transporteurs corpaux passait parfois dans notre quartier. Arasaka sélectionnait des enfants, mais seulement ceux qui étaient propres. Des transporteurs, vraiment? Blindés et armés. Chiba 11 avait le taux d'homicide le plus élevé du Japon. C'est sûrement toujours le cas. Pourquoi ils avaient besoin de gamins? Pour en faire des soldats corpaux. Quand on m'a choisi, c'était comme si j'avais gagné à la loterie. À l'armée, on m'a donné tout ce dont j'avais manqué. De la discipline, des repas réguliers. Et quand j'ai fait mes preuves, une éducation. Comment un bleu chargé de laver les chiottes devient garde du corps de Saburo Arasaka? Major de promotion à l'académie, service dans les forces spéciales, et l'œil aiguisé d'Arasaka-sama pour repérer les gens talentueux. Tu vas me dire que t'es tapé dans l'œil de Saburo? Savoir faire les bons choix sans avoir toutes les informations, c'est ce qu'il faut pour devenir l'homme le plus puissant du monde.
une centaine de candidats au garde à vous. Arasaka-sama a sondé l'homme de chacun de nous, et il a choisi celui qui le servirait le mieux. Ouais, et en échange, t'avais juste à tuer les ennemis de Saburo. Je sens que tu me juges, même si tu n'as aucun droit de le faire. Contrairement à toi et à ton ami, Monsieur Wallace, je n'étais pas arrogant. Je n'ai pas choisi la facilité. Non, tu ne l'as pas. T'as essayé de survivre. Je te jugeais pas. C'est faux. Tu t'opposes aux corporations, à leur ordre, leur monde, de façon absurde. Mais tu n'offres pas d'alternative sérieuse. Regarde autour de toi. Voilà le monde des corporations dans toute sa splendeur. Tu me montres des rues sales, comme s'il n'y avait pas d'autre monde, comme si rien d'autre n'était possible. Et les millions de gens qui travaillent pour Arasaka, qui profitent d'une stabilité, de la sécurité... Et les pauvres de Chiba 11, ils survivent en recyclant des conserves de scope. Ça aussi, c'est le choix des corpos. On ne peut pas. Tu t'es rangé d'un coup. T'as déjà oublié ce qui s'est passé chez Tom's Diner ? Les gens détestent par-dessus tout les corpos. Et on peut pas leur reprocher. J'ai des regrets, mais sûrement pas d'avoir volé Arasaka. J'aimerais parfois devenir un nomade. Quitter ce monde. Oublier tout ça. Les nomades sont pas des loups solitaires égocentriques. Lien du sang ou pas, la famille passe avant tout. Oui, mais ça ne sert à rien de pinailler sur des détails. Tu sais ce que je crois ? Non, quoi ? Ce jour-là au Kanpeki, on a tous les deux perdu quelqu'un d'important. On ne l'accepte pas. Alors on cherche le conflit, on se querelle pour rien. Voilà enfin des paroles sensées. Les vivants ont le devoir d'expier pour les morts. Hanako-sama va nous aider dans notre mission. Ou elle veillera à ce qu'on crève pour de bon. On dirait que le Bakeneko en a eu assez de nous. Il va trouver sa propre voie. Comme nous. Je pense qu'il est temps de passer à l'action, non ? Merde, c'est de pire en pire. Tu n'as pas l'air si mal en point. Bon. Ah là là, là, ça aurait dû mettre une touche pour marcher. Je reste à l'écoute. Les manœuvres de diversion, ça, c'est mon affaire. Ah.
J'y suis. Bien. Essaie de t'introduire dans l'entrepôt. Je vais détourner leur attention. T'avais raison. J'ai un point d'accès vers le système de sécurité. Excellent. Je fais moi aussi des progrès. Pareil pour les enfants. Ils devront aller dans l'école qu'on pourra leur payer. Bon bah, désolé vieux. Tu es une cible facile quand tu es à l'extérieur. Même moi, je peux te voir. Ouais, mais c'est pas grave. Hein. Comment ça se passe pour toi? Bien. Je vais atteindre la salle de contrôle et semer la confusion. Très bien. Je suis prêt. Quand tu auras terminé, je détraquerai les systèmes. Ça me fait penser un peu à Metal Gear. Ouais. Il y a un petit côté Metal Gear là. Qui est pas déplaisant. Ah, j'ai trouvé, enfin. Attends, je peux profiler à l'intérieur. Sans me faire gauler. Je vais voir. Ça sort pas trop mal. Alors, voyons voir. Ok, le char est à nous. Tu pourras voler avec jusqu'à Tokyo si ça te dit. Oui, pourquoi pas. Bon travail. Très bien. À mon tour. Tu as vu ?
porte de la sortie. Il y a des bâtiments plus petits tout autour. Certains pour redescendre. Putain, ça a marché. Excellent travail, V. Ok, et maintenant ? Maintenant, on retourne dans l'ombre et on s'arme de patience. Je te contacterai avant le défilé. D'ici là, tâche de ne pas t'attirer davantage d'ennuis. Ok. Oh, je suis plus à ça près, tu sais. Bah du coup, c'était cool. C'était cool là, comme mission là. J'ai apprécié. Autre véhicule. Il est là-haut. Je vous envoie les coordonnées d'un véhicule qui a disparu près de votre position. Ah. De la main. Merci, je vais voir si je peux le trouver. Ah mais attends, c'est la tour Arasaka là. Bon attends, on va voir. Surprise. Ah, c'est pas grave. On va faire le tour. Oh, 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 oh. Ce que je viens de faire, c'est sympa. Ça me rappelle un petit peu GTA. Salut V, écoute ça. Sur le net, il y a un site qui s'agit... Charme a dénigré le maire, Welton Holt. Enfin, maire par intérim. Mais il est candidat aux prochaines élections, si j'ai bien compris. Oh, la politique. Balancer sans arrêt de la merde à la gueule de l'autre, pas vrai? Bref, mon client veut voir ce site disparaître dans les limbes du cyberespace. Mac le briefing pour plus d'infos. Ok. Ah, l'ordinateur juste à côté, hein, voilà. Dommage. J'y vais souvent en feeling. Je devrais plus regarder, mais bon, c'est pas très grave. D'aller sur les toits, tout ça. Erreur. Tir précoce. Désolé. Arme en main ! C'est la première fois que ça marche. Nouveau chargeur détecté. Message pour l'utilisateur. Merci. Voilà.
qui va m'arrêter. Ok. Êtes-vous satisfait de la fonction tir automatique? Sautez sur place pour confirmer. On perd des soldats! Anecdote. On peut facilement enlever les taches de sang avec du vinaigre. Et voilà. Bon. Tellement bien cette arme. Oui, encore. On a fini. Allez. Ces enculés au mur et un autre grimpe dans les sondages. La politique, ça changera jamais. Désolé, Johnny. J'ai pas le temps pour ta révolution d'a... Désolé. Je reviens. Désolé, Johnny. J'ai pas le temps pour ta révolution d'anarchiste. Vraiment ? Bah, ce serait pourtant plus simple que de trancher les têtes d'une hydre. Encore une bonne raison d'atomiser cette ville. C'est pas faux. Ça pas faux, c'est pas faux. Allez, sous. Bien joué, V. Je viens d'apprendre que le virus fonce droit sur les serveurs comme un putain d'astéroïde. C'était du boulot, Premius. Merci. Contrat terminé. Il y a quoi là-dedans? Des cartons. Génial. Et voilà, mission accomplie, de toute beauté. Attends, ce que je vais faire, on va changer, on va prendre celle-là, Jackney, c'est la meilleure. 45 mètres plus loin. Et voilà. Je fais honneur, c'est vrai que, qu'est-ce qu'elle est classe quand même, on va pas se mentir, hein. Mec... ils ont géré. Bon, allez, on va faire un dernier petit camp et puis après je pense qu'on va s'arrêter là. C'est vrai qu'on a tout ça là qu'on pourrait faire. Je pense que c'est ce que je vais m'atteler au prochain épisode. Allez, zou. Ok. Ça a saigné, chérie.
Alors, hop. Allez, on s'en fait un petit dernier et après on se quitte. Ah là! Hey V, j'ai un client à escorter Fissa hors de Night City, histoire qu'il échappe à son enterrement. Il me faut un chauffeur compétent qui fera pas dans son froc quand ça commencera à chauffer. Qu'est-ce t'en dis? Regarde les détails. Ah, les Sixth Street, je déteste ces types. Ils débitent des discours patriotiques de merde, et à côté de ça, ils se conduisent comme des porcs. J'ai pas que ça à foutre, hein, on y va! Ouais. J'ai appelé. Allez les gars! Merde! Oula! On est fou là? On est fou là! Alors. Du tir. Inconnu. Pensez à vous mettre à couvert! Nouveau chargeur détecté. Message pour l'utilisateur. Merci, Joe. Anecdote. Le corps humain contient 5 à 7 litres de sang. Ok. Ok, bon, c'est des munitions qu'il me faudrait. Ok. Ouais, c'est vraiment le squat par excellence. Hein. Putain, c'est un vrai bain de sang ici. Ah, je crois que. Hein. Hop. C'est quoi ça? Hey, c'est pas ton gars là? Il est vivant, on dirait. Ce genre de raclure, ça s'en sort toujours. Hey, vous m'entendez? Oh. Oh merde! Le Sixth Street Hill. J'entends.
Je sais. Flavio, c'est ça? C'est vous? C'était un plaisir. Hey, vous m'entendez? Allez mec, redesse-toi là. Oh merde. Le Sixth Street Hill. Je sais. Flavio, c'est ça? C'est vous? Oui. Faites-moi... faites-moi sortir d'ici. Ok, ouais, faut que je porte. Ça marche. Allez, on y va. Ma voiture est dans le garage. Amenez-moi là-bas. Allez. Bon, allez, on y va. Hop. Vous avez les coordonnées? Ouais, je les ai. Merde! Je voulais juste m'amuser un peu. Vous plaignez pas. Vous êtes en vie, vous, au moins, pas comme les filles. Allez, casse-toi. Hey! Hey! Pas ici! Il est où le client? Il se vide de son sang. Merde! S'il crève, je serai pas payé, moi! C'est pas mon problème, j'ai fait mon boulot.